Théo Dufourny, notre gardien. Nous sommes ici après le match contre Alost. C'est un match rempli de suspense. C'est quoi votre sentiment après le match? On a une grosse frustration parce que c'est un match que on a vraiment été absent des débats pour toute la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a quand même réussi à revenir sur un but très 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 litigieux. Le troisième but, on se fait avoir. J'aime pas parler de l'arbitrage, mais là, c'était flagrant. Racontez-nous, qu'est-ce qui a passé? Il y a un ballon au deuxième poteau qui remet dans l'axe. Et après, Thomas Fibel protège. Je me jette en avant pour prendre le ballon. Et l'attaquant arrive avec sa semelle et me tape dans le ballon, tape dans tout ce qu'il peut. Et du coup, je suis obligé d'essayer de repousser le ballon pour ne pas prendre le but. Et finalement, il y a but. Mais c'était comme ça tout le match, c'est malheureux, mais ça va. On est dégoûté, on est très 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 déçu. Alors aussi un peu frustré, je peux m'imaginer. Et tu as même essayé de marquer aujourd'hui? Ouais, j'ai essayé parce que un match comme ça, on essaye tous d'apporter. Parce que j'ai essayé avec mon envie, mais derrière c'est difficile. Et à la fin, en étant mené, j'essaye de faire un surnombre et ça a failli marcher parce que je dévie bien pour André, mais malheureusement c'est une frappe qui finit pas où il faut. Après, malheureusement c'est ce qui se passe quand ça veut pas, on n'a pas de chance. On est presque dans la moitié de la saison, c'est quoi votre sentiment sur ça? Tu as joué presque tous les matchs, je pense. C'est un sentiment mitigé parce qu'on est capable du meilleur et du pire. On voit la semaine passée, on fait un très bon match avec une très bonne ambiance dans l'équipe. Tout le monde fait les efforts les uns pour les autres. Et aujourd'hui, on s'est peut-être vu un petit peu trop beau. C'était une équipe qui est largement à notre portée, qu'on doit battre. Et notre manque de concentration, de motivation nous a pris à défaut. Et ça nous a tués. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends de reste du saison pour vous personnellement? Le reste de la saison, qu'on gagne le plus de matchs possible, qu'on gagne la troisième tranche, parce que je pense qu'on a largement les moyens avec une belle équipe. Si tout le monde se remet en question comme il faut et que tout le monde fait des efforts les uns pour les autres, on gagnera cette tranche et on sera au tour élite, tour final, et que des bonnes choses après.